Eh bien, YouTube, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc avant que ça commence, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous êtes 89% des personnes à regarder la vidéo, à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui passent là, même si vous regardez que quelques minutes de la vidéo, je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me remerciera pour le travail qui est fait sur cette chaîne et pour les futurs projets qui arrivent, qui seront assez gros. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'on est à carré 1, donc tout va commencer avec un carré 1, on va dire entre guillemets, où il y a quelques personnes. Je suis rentré, j'ai tué 3 personnes, mais en fait ce que vous savez pas, c'est qu'avant que je rentre et que je tue ces 3 personnes, et ben j'avais fait juste avant le début de la vidéo, en fait, tout simplement, j'étais rentré et comme vous avez pu entendre chez Shepard, j'avais fait 7 kills au sein de la... de carrière, donc je suis assez dégoûté que ça n'a pas été filmé, mais comme vous pouvez le savoir, je suis pas tout le temps avec mon logiciel activé pour pouvoir tourner à chaque moment. Mais voilà, je suis assez dégoûté parce qu'en vrai j'aurais pu vous faire voir une action assez belle. Je suis rentré en fait tel un ninja, je suis rentré, je suis arrivé, j'ai tout défouraillé, je suis reparti quoi, et c'était assez beau à voir. En tout cas j'étais en stream sur Discord. Et je pense que tous ceux qui étaient présents, ils pourront vous dire que c'était assez beau à voir, mais voilà. Donc en gros, voilà, vous allez avoir un petit moment de fight sur carré A. Donc peut-être que vous en aurez d'autres dans le futur, hein, je peux pas vous dire selon l'activité des joueurs sur carré A. Actuellement, c'est assez actif vu qu'il y a les missions, donc on y va assez souvent. Donc à la fin de cette vidéo, comme vous allez le voir un peu avant la fin de la vidéo, on va se faire tuer une fois avec Shepard en 2 heures de temps, je crois quasiment, on va se faire tuer une seule fois. Donc ça va, ils étaient 4-5, donc on a réussi même plus, je crois, parce que on avait un membre de la corpo qui était avec eux en groupe. Pour faire la mission carrière, parce qu'il faisait sa mission overdrive initiative. N'allez pas me demander pourquoi il était pas avec nous, je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre. Mais voilà. Donc il nous a dit que comme quoi ils étaient venus et qu'ils avaient vu. C'est pour ça que d'ailleurs, enfin vous voyez pas je crois dans la vidéo aussi, mais je me fais réa à un moment par un mec, et ben justement c'est lui qui me réa, donc voilà. Ouais, donc c'était assez fun, et puis pour la fin, une petite explosion du carac fait par Scarlito, par les sons de Scarlito, et le petit Cervé qui on va dire track des vaisseaux comme ça, carjack des vaisseaux. Donc en tout cas j'espère que vous kifferez cette vidéo les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez surtout pas que la corporation recrute, la légitime recrute toujours, on a des gros projets qui veulent venir, mais on a besoin de joueurs un maximum, donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre la corporation. Pour ceux qui jouent tout seuls ou en groupe, vous inquiétez pas, vous serez intégrés. Il y aura pas de anciens nouveaux. N'hésitez pas à venir vraiment, on sait qu'il entre nous, il n'y a rien de méchant. Que de l'humour chez nous, donc n'hésitez vraiment pas, voilà, à nous rejoindre, faites le premier pas, vous verrez que vous allez passer un très bon moment au sein de notre corporation, que vous, comme je vous l'ai dit, que vous soyez nouveau, ancien, tout seul ou en groupe, voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et deuxième chose, dans la description, il y a 2 liens, donc le lien de Discord pour la corporation de la DG Team, donc faire attention, c'est pour rejoindre la corporation, et le lien de la communauté de ma chaîne YouTube. Et ça c'est mon Discord en gros communautaire personnel, donc voilà, peu importe dans quelle situation, n'hésitez pas à les rejoindre, que ce soit pour faire partie de notre communauté, ou tout simplement faire partie de la corporation de la DG Team. Voilà les amis, bonne vidéo à vous. Parce que hier les gars, si vous savez pas, mais on a réussi à rentrer un gros vaisseau dans une grotte. Ouais. Bah il y a deux grottes qui peuvent faire rentrer des gros vaisseaux. Une sur Hypothèque et une sur Daimar. Et il y a 2 étages dans la grotte. Ouais c'est ça, on a été j'en ai tué 2. Pourquoi ils ont... Il y a des marqueurs maintenant, on peut directement waypoint dessus ou faut toujours les chercher comme avant? Faut toujours les chercher, mais la salle de démarre elle est facile en fait, t'as un waypoint qui est même pas à 20 mètres à côté. Ah ouais, pas une... Ouais. Après je sais qu'il y a des crash sites aussi là, faut chercher. Il y a le Karak, le Caterpillar, le Javelin... Je sais pas quoi là.
T'arrives, Shepard? Ouais, j'arrive là. J'avoue que ça commence à être tendu. J'arrive le plus vite possible, mais bon, si j'arrive pas à trouver une plage, je m'arrête comme ça, hein, arrête de dire. Vous en posez des C2, il y a un C2 et tout, mec. Ouais. Vas-y, je vais venir avec quoi, moi? Voilà. Je vais kiffer quand tu auras le vaisseau pour traverser les coques des autres. Traverser les coques, ça me dit rien. Ouais. De quoi tu parles? Ouais. Parce que dans pas longtemps, là, en 4.0, c'est prévu qu'on puisse utiliser le cutter sur le multi-tool. Et il y aura le vaisseau avec les capsules, là, je me rappelle plus comment il s'appelait. Il y a 6 capsules sur le vaisseau ou 4 capsules. Et la capsule, c'est toi qui le pilote. Tu pilotes la capsule et tu dois te coller au vaisseau. Et la capsule, elle découpe la coque du vaisseau et tu rentres dans le vaisseau. Les gars, vaisseau d'abordage. Alors les refs, ils sont vraiment nuls. Parce qu'ils ont. Il y a bien une caisse de stuff, mais il y a quasiment rien dedans. C'était bon, rien quoi. Ils sont tous morts dedans ou il y a encore des vivants ou pas? Parce que je rentre de l'autre côté. Aucune info concernant le reste des vivants. Il y en a 2 morts, sûr. Là, attends, j'ai un PNJ. Autant tirer. C'est moi qui tire sur le PNJ d'ailleurs qui m'a fait très mal ce bâtard. J'ai tué 4 PNJ. Oh lâche. Comme une ligne désactivée. Oh lourd. On va faire vraiment du kill sans. D'où tu me rushes toi? Le légionnaire, ouais, c'est ça le vaisseau. Ah oui. Ouais. Il est sur moi, c'est le central. Il va me finir. J'arrive. C'est le central. Je sais pas où il est sur mon cadavre. Attends, je crois qu'il est tombé. Je crois qu'il est. Il est tombé. Oh oui. Finis-le, il se relève. Non, finis-le. Ok, c'est bon. Non, c'est moi. Ok. Il était tout seul ou vous étiez deux? Ils étaient trois, mais j'en ai tué deux. J'en ai tué. Bah là, moi, j'en ai vu qu'un. Du coup, le troisième est mort. J'ai pas de soin. Merci mon ref. Il a voulu me cuter, il va pas les finir. Attends, est-ce qu'il a pas. Lui, il a quoi? Il était qu'une P8. Attends, je vais juste prendre son pistolet médical. Les gars, parce que c'est. Tu m'as dit 3 et c'est le deuxième, hein. Je recharge. Oh, il y en a un autre qui arrive en face là. Tac, c'est bon. Thank you.
pas le mettre, il est trop... Faut que je jette des FS9 pour le récupérer. Joueur. Ah, c'est bien joueur. Deuxième joueur. Il y a deux joueurs sur moi. À droite, il y en a un à droite, l'autre je sais pas où il est. Un mort. Gauche, je n'ai pas de visu à gauche. Le joueur, c'est lui que j'ai vu passer. Attends, à droite, j'y vais. Je le vois pas. Droite clear. Il est mort, il est mort. Les deux, okay, nickel. Les deux sont morts. Nous remet des crimstats les bâtards. Là, il y a plus de... Ah si, ils ont réactivé le camaré. Oh les enculés. Bah tiens, tu vas crever jusqu'au bout, toi. Contre Jackson, je sais pas quoi, là. Mec, tu sais ce que j'ai envie de faire, mec? Regarde, je vais faire ma pute. T'es prêt? C'est quoi? Ah, il s'est suicidé, ok. L'autre, il est pas mort. S'il est pas mort, mec, c'est quoi? Tu enlèves le casque et on l'emmène dehors. Bah lui aussi, il était là pour en plus pour enlever sa crimstat, il avait une clé. Ou alors faire la mission. Si, il est mort, je l'ai tué, je l'ai fini. Ils m'ont... Ouais, comme ça, tu finis pas, t'enlèves le casque, on les fout dehors. Attends, viens, parce que je crois que la caisse, elle était ici. Attends, je vais juste faire check. Attention. C'est un mec ou joueur? Je sais pas. Tu l'as tué? Non, ça m'a tiré dans le dos, donc non, je me suis barré. Et c'était une Demeco. Un PNJ. Ok, PNJ, wow, tu m'as fait baliser, gros. Reste sur tes gardes quand même, hein. J'aurais pu vous en ramener une deuxième, je suis con. Bah, si tu as le temps, n'hésite pas. Hein. Dans la caisse, je vais la bouger parce que là, t'as 50 mètres de moins, mec, on est trop écarté. Bah, je passe à Séraphine, je mets une caisse vide et puis je vous ramène une caisse pleine. Je vous ramène une caisse vide et je prends la caisse pleine. Vas-y. Ah, du coup, il y a un mec qui est, il est mort devant son talon, le ref. Ah, mais non, ils ont tué un mec. Je sais pas comment ils ont fait leur compte. Il y a un mec là devant son talon, il est mort. Pas de casque. Voilà, je sais pas. Ici, il a un casque. Je sais pas ce qu'ils ont avec les armures jaunes, par contre, c'est les refs. Parce que le casque jaune, en fait, tu vois mieux parce que t'as tout ce qui s'affiche en jaune, en fait. Ouais. C'est okay. Le casque Greca. Ouais, je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus par effet. Là, mais t'es trop loin, mec. Ah, là, il était trop loin, c'est ce que je te disais. Hein. Arrive, c'est la marque Greycat. Ouais, le casque jaune, c'est la marque Greycat, je crois. C'est celui que tu trouves à l'entrepôt. C'est pour ça qu'ils font le set avec la peinture du grand. Quelle grosse merde, il a pas réussi à me tirer dessus. Il a un effet, il est là. Il est dehors, mais on reste à l'intérieur. Je crois qu'il y a un scar, ça va être chaud pour que tu viennes quand même. Mais quelle grosse merde là, tu l'as pas réussi à me shoot. Pourquoi il y a du monde dehors? Ouais, là y'a un mec. La caisse, j'ai mis là. Hein. J'ai mis là la caisse. Hein. Surtout attends, que je suis en balistique quoi. Je sais plus où j'ai mis, mais j'ai mis qu'est-ce que. Ça a enfin, fait. Là-bas, Déjà, je te dis, je suis en 315 déjà. Là, elle est là déjà. La caisse. Ok. Ok, je vois où tu es. Pas loin de la 315 sortie. 315 et je suis en balistique quoi. Allez, stop. Ce mec, il est pas doué, je le fume. Ouais, attends, y'a une caisse là. C'est quoi cette caisse? Oh non, mais putain, je suis obligé de redemander mon camarade. Je suis au bout de ma vie. Mec, y'a une autre caisse là, je sais même pas c'est quoi comme caisse ça. Ouais, mais je t'ai dit, ils ont. Ça? Première fois, je la vois cette caisse là, mec. C'est un conteneur. Ou j'ai retourné un sniper, je crois. Il y aurait moyen de mettre un Fury sur place là. Putain. Regarde! Ça y est, tombé amoureux du Fury, gros. Ah, ça, je le vois bien! J'ai encore éclaté un mec avec à midi. Oh, mec, j'étais en train d'appeler mes vaisseaux, il rampait par terre, il me poussait et tout, il me faisait cancel l'appel de mes vaisseaux. NLJ, tu le vois à 20 mètres là, le point à 23 mètres? Oui, je le vois, mais attends, j'ai un problème là. Y'a un mec qui vient de péter un truc là, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est moi qui est en train de tirer. Bah justement, il y a un truc à 25 mètres, un gars qui est assommé ou qui est à terre. Oh non, il a canaille, il est mort. Et on voyait le truc. Mais il aurait pas de contrôle là, il fonctionne à moitié frère. J'ai 50 000 trucs à effacer moi.
Attention, ça tire derrière là-bas. FS9. Ah, c'est qu'il y a un petit temps avant de pouvoir tout effacer. Ouais. PNJ sur la droite, il est passé pour la porte, je vais pas te tirer dessus. Je vais quand même le tuer. Hop, on recharge. Je suis tiré dessus par un PNJ ou c'est toi qui tire? Moi qui tire, j'en ai déjà tué 3-4. Ok. Les homicides que j'ai, en gros, mais là j'aurais plus de tarif en 2 ans. J'attends que tu finisses pour que je puisse mettre, commencer à remettre le stuff. Hein. Ouais. J'entends un. Ouais, j'ai entendu une porte. Un sas. Y'a un PNJ ou un mec là? Normalement c'est bon, t'as plus de crime stat là. Attends, normalement. Non. J'ai mis effacé, j'ai cliqué sur effacer donc ouais, normalement c'est bon. Pas bien vu. Y'a un mec devant moi. Prouhalo. C'est bon. Ah d'accord, y'a. Nous en rocher. Y'en a un autre derrière sur moi. Il est mort. Je l'ai affaibli. Il y a un troisième. Et il m'a tué. Putain, mais j'ai retrouvé. Il m'a remis des Crimstats, cet enculé. Il m'a pas fini. Ah, bah 3 Crimstats. Allez, c'est reparti. Et c'était 3. Putain, j'en ai tué 2. Et le troisième, il est quasiment mort, le troisième. Hein. Voire mort. Et il y en a qui est venu en Undersuite. Mon ami, on leur foutu la haine parce que l'autre il m'a rushé. Hein. Starkroot contre Bainhart. Ouais, j'ai buté celui qui s'est réa. En train de pleurer. Allez, go en EVA. Oui, moi, je sais pas si j'aurai le temps de dégager. Si, t'auras le temps. C'est qui tire dessus? C'est toi Ah non, c'est une. Oh non. Non, putain, t'étais masse loin. Mais t'es vivant? Je suis mort quand même avec. Ah oui, ouais, mais t'es pas totalement mort. Si. Ah ok, putain. Ah, c'est cool, genre. MDR. Oh, y'a un effuite et un mantis. Oulala. Du coup, j'attends. Les mecs, quoi. Mais quelle idée de mettre le carac collé comme ça, c'est vraiment des trous de balle, quand même. Mission complétée de Fangs, boy. Il a rien compris du tout, le ref, et ça rend une vie, là. Non, c'est qu'il avait la quête de carrière, et c'est accompli, tout simplement. Mais y'a personne qui l'a accompli, gros. Ah, il a marqué Karak, Gun, But, War, Care. Non, mais c'est qu'il y a un bémol là-dedans, c'est que personne ne l'accomplit, sa quête. Ouais. C'est le mec Gourion, c'était le mec qui était dans Karak, parce que on parle de Karak. Je sais pas, t'es où, toi? Moi je suis mort, je suis revenu avec les mecs, donc je rachète. Ah, je vais te présenter des amis à moi, tu vas voir, ils sont tip top. Ils sont tip top. Tu vas sortir alors jouer avec toi, oui. Oui, enfin, rage quitte. Dis-lui pour le moment, ne va surtout pas carrière. C'est juste ça. Putain. Gros, je te jure, je vous dis, il y a un cerveau qui essaye de cardiaque les vaisseaux. Mais tu sais que tu viens avec un reclaimer là? Tu salvais tous les vaisseaux qu'il y a, gros. Oh là, des barres. J'avoue. Bah oui, hein. Si tu te fais plaisir. Hein. Bah oui, il y a au moins 50 vaisseaux là. C'est même pas pensé à ce délire là, mais. Mais t'avais même pas pensé.
Non, mais c'était. Non, en plus, tu prends SRV. Je suis pas mineur ni salvage, moi, j'y pense jamais. C'est juste pour le fric, c'est pour le fric. Tu prends SRV là, tu les écartes et puis tu prends le salvage pour salvager, c'est nickel. Regarde le SRV, gros, il est. Ouais, il les enlève. Non, mais je sais pas ce qu'il fait en fait, parce qu'il a pas réussi. Il peut pas s'ils ont leur shield. Hein. Il peut retirer que ceux qui sont en. Sans les shields, ouais. Et pareil pour le salvage, faut que tout soit éteint pour le salvage maintenant. C'est ça qui est chiant. Parce que j'avais pensé à faire ça aussi pour Brio. T'arrivais, tu tirais le vaisseau, tant que le gars il courait pour aller vendre, il voyait pas son vaisseau se barrer, il arrive, bah